Cavana et ce matin l'invité du 6-9 de Nikos. Est-ce qu'il galère Anthony Cavana? La vraie question c'est pourquoi il fait son coming out sur scène du 19 octobre 2010 jusqu'au 1er janvier 2011. Ça veut dire que le 31 en soir ça sera la Saint-Sylvestre, champagne. Anthony Cavana. Ouais, il sera sur scène le 31 décembre. Coming out déjà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est de l'anglais. Ouais. Une expression courante de la vie tous les jours, comme ouais. Jogging, shopping, fist fucking. Ouais. Des petits plaisirs du quotidien. coming out, se révéler en fait. Ah, c'est révélation. Se révéler. Comme ça fait quoi, 12 ans maintenant que je fais carrière. Déjà. 12 ans que je fais carrière en France. Ça fait 10 ans que je paye mes impôts ici. Ça fait 7 ans que je vis à plein temps ici. Mon pauvre. Donc j'ai dit. Avant, je me considérais comme un étranger invité. Donc je me fermais un peu la gueule. Je disais, bon, je suis la paix. Tu t'auto-censurais. Voilà. Et pas dans ce spectacle-là. Voilà. Tu dis ce que tu penses. Exactement. Tu parles de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quoi. Tout à fait. Tu abordes tous les sujets. Tous les sujets. Du racisme à ma paternité. Oui, parce que je suis papa. Je suis papa. Oui. Alors, il est magnifique. Comment ça s'est passé? Mon fils, c'est un vrai cadeau. Il dort jamais. Il a quel âge? Comme là, cette nuit, il crie, il pleure. Il est à vendre, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont intéressés. Non. Tarif à négocier. J'adore mon fils, il est à louer, ça rapporte beaucoup plus. C'est mon premier et peut-être le dernier. Non, c'est pas vrai, j'adore. Non, il est beau comme tout, il est métis, c'est les plus beaux. Donc les métis, c'est les plus beaux, on le sait. Lenny Kravitz, Yannick Noah, Barack Obama. Ceci dit, il y a des métis moches aussi, ça existe. Ah bon? Vincent McDoom. Il est métis, Vincent, si tu nous regardes. Il est métis, hein, moitié homme, moitié femme. Vincent. Il sait que je l'aime. Il est en forme ce matin. Anthony Cavana, c'est quand même aujourd'hui le seul qui puisse à la fois être showman, animateur, chanteur, il sait tout et faire. Et paysagiste. Il a aussi repoussé ses cheveux, il a Paul le Poulpe sur la tête là. J'ai Paul le Poulpe, de retour. Tu sais que ça nous avait manqué quand même. Moi je te préfère avec les cheveux Bani Vanilli. Comment il s'appelait? Milli Vanilli. Bani Vanilli. Oui, c'était un groupe qui a cartonné en Grèce. Oui, qui ne chantait pas en fait. C'était pas eux qui chantaient. Non, c'est pas eux qui chantaient. Ça faisait quoi déjà? Je me souviens. C'est comme Boney M. Ça faisait quoi? Girl, you know it's true. C'est pas moi qui chante. Anthony Cavana qui sera effectivement à Bobino du 19 octobre jusqu'au 1er janvier 2011. Tu restes avec nous, petit déjeuner café. Dans un instant, il y aura taille. Et c'est pour terminer, je te dis, Luc, je suis ton père. Je suis ton père. Luc, je suis ton père. Merci. Ah, j'avais pas de vanne. Bravo. Bon courage à tous. Si vous êtes dans les embouteillages, eh bien nous avons trouvé. Ils ont demandé un bruitage, voilà. Le père de Luc qui a des problèmes gastriques.